Je voudrais pas casser ton rythme, mais le patron te demande. C'est peut-être une bonne chose. Le voilà, chef. Une erreur a été détectée sur la ligne 10A. Les pins sont grippés. J'ai besoin de deux hommes pour grimper et fixer les câbles. C'est délicat comme intervention. La guilde doublera votre paye. Allez, Cal. Un peu de flouze, ça ferait pas de mal, hein? Ok. Super, on y va. Au travail. Par ici. Je suis juste derrière toi. Ah, t'en fais pas! Je ne pense pas que ces outils vont pouvoir tenir jusqu'au bout. Là-haut! Admire-moi ça! Un vaisseau séparatiste. J'ai pas vu une Lucarole que depuis un bail. Ouais. Clairement. Ces pièces vont nous rapporter un max. Allez, viens, on y va. Tout va bien ? Ouais, ça va. Mais il n'y a plus d'échelle. Va falloir que tu passes par ailleurs. Pas de soucis, je me débrouille. On se retrouve là-bas. Quittez cette barge immédiatement. Vous n'êtes pas un déchet à prouver. Je suis un déchet, mais pas approuvé. Faites passer. Hé, hey, maniez-vous, on va réussir à finir en avance. Je peux déjà sentir l'odeur des crédits. Ça va être fête ce soir. Allez, finissons-en avec ça. Cale le casse-cou. Content de te voir. Moi aussi. Évite de mourir quand même. Ouais, je vais essayer. C'est quoi, des rats de décharge? Flippant. C'est bon, je fais que passer. Pas la peine de sortir me saluer cette fois. Égal, je te retrouve aux pinces. Ça marche, à tout de suite. Wow.
qu'est-ce que tu fais là? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Le levier de contrôle manuel. Ça y est, à toi. Ok, passe fixé. Ça va? Toujours là. Tu m'as fichu la trouille. C'est bon. Bouge pas, on occupe. C'est bon, viens me rejoindre. Eh bien, je tiens un coup d'œil. Un chasseur Jedi, c'est le jackpot qu'on va toucher le pactole avec ça. Je veux dire, ce machin moisi, là, depuis quoi, 4 ans? 5. Ah, celui qui pilotait ce truc est vraiment parti en beauté. Ou c'est Jedi, une vraie tragédie. Oh, moi, j'ai toujours dit que c'était pas tous des traîtres. Oui, c'est possible. On dirait que c'est notre jour de chance. L'Empire va pouvoir récupérer du bon matos. Ouais, on récupère la ferraille de ces vaisseaux de guerre qui servira à en fabriquer de nouveaux. Sacré trafic. Quand je pense qu'on risque notre peau pour les patrons, et la paye était meilleure du temps de la République, en plus. Fais un peu attention à ce que tu dis. Ah, écoute-moi. Avec une prime comme celle-là, tu pourrais enfin te tirer de ce caillou moisi. Qu'est-ce qui te dit que je veux m'en aller? Je t'en prie, Cal. T'es encore jeune. Tu veux pas finir comme moi. Arrive un jour, il faut partir pour vivre sa vie. Pour trouver sa destinée. Ouais, si tu le dis. Allez, on devrait redescendre. Je crois que tu m'as pas écouté. Tu fais quoi? Je vais pas tenir! Prof! Non!
pilote. Je vais nous sortir de là. Accroche-toi. Attention, Cal. Attention. Ce truc a à peine à voler. Tiens bon. Ça va? Ouais. Ok. Ok, il faut qu'on... On doit bouger, ouais. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi tout ça? C'était toi? C'était la force, c'est ça? Oublie ce que t'as vu, ok? Allez, fais-moi confiance. J'ai entendu parler d'eux, je sais ce qu'ils font. Il y a des prises sur les gens comme toi, mon pote. Je suis au courant. Je suis au courant. Ouais, d'accord. On doit faire attention. Ouais. Tu tiens le coup, Cal? Ouais, ça va. Et toi? Ouais. Cal, ça fait un bail qu'on bosse ensemble. Et jusqu'à présent, je t'avais jamais vu faire ça. On en a pas mal bavé, tous les deux. Enfin... C'est un sacré risque que t'as pris pour moi. Et je sais pas comment te remercier. Oublions tout ça. Je suis sérieux. Oh, tu sais, t'en fais pas pour moi. Mais par ici... T'es en danger. Peut-être que tu devrais disparaître. Je dois absolument repasser chez moi à prendre mon sac. Ta peur, ça a une dette envers moi. Je crois qu'il se trouve sur Nar Shaddaa. Ouais. On va plus voir pendant un moment, prof. Ouais. Ok. Ok, Cal. Prof, attends! Où tu vas? Écoute-moi sans faillir. Maître, n'accorde ta confiance qu'à la force. Le train n'avance plus. Ouais. Et c'est mauvais signe.
Tout le monde debout. Contrôle d'identité. Bon, mettez-vous en ligne. Sûrement une de ces inspections de routine. Est-ce qu'ils sont tous là? Oui, deuxième sœur. Nous cherchons un dangereux fugitif. Ce n'est pas un simple anarchiste, mais un fanatique de cet infâme ordre Jedi. Tous ceux qui refuseront d'obtempérer se verront accusés de sédition. Qu'ils se livrent maintenant. Où tout le monde ici présent sera alors exécuté sur le champ. Je pense qu'il est temps que quelqu'un se lance. Ça fait un bout de temps que je travaille sur cette planète. Longtemps avant la guerre. On rénovait des vaisseaux à cette époque. On était les vrais Kador. Ensuite, l'Empire est arrivé. Alors les ingénieurs sont devenus des ferrailleurs. Les ouvriers sont devenus des exploités. Prof. On sait tous ce qui se passe. Sauf que... on a peur de le dire. Pour l'Empire, nous ne valons absolument rien. Oui, c'est vrai. Non ! Voyez-vous ça, un sabre laser. Je maîtrise le Jedi. C'est quoi ? Contrôle de la perturbation. Mal. Stop, ne bougez plus. Qu'est-ce que vous faites ici? On se calme. J'ai un fugitif. Eh, c'est pas la peine de le signaler. Silence. Jedi! Je t'ai pas vu à l'entraînement avec tout le monde ce matin. J'ai préféré me reposer. C'est comme ça que je me prépare. C'est comme ça qu'on se génère. Non. Oh,
n'ose pas le toucher. À l'avant. Arrête le train. Oh non! Il me faut un abri. Je dois foncer entre chaque rafale. Maintenant! Il faut monter.
s'est arrêté. Quelque part. Je reconnais cette posture. Alors tu as été formé finalement. Qui était ton maître, Padawan? Une de mes victimes peut-être? Quel Jedi s'est sacrifié pour que toi tu puisses vivre? Plus rapide que je pensais. C'est le dernier coup que tu portes. Très bien. Tu n'esquiveras pas la suivante. Tu mourras comme tous les autres. Éteins-moi ce truc, et assieds-toi. Merci pour le coup de main. Mais vous êtes qui, exactement? Mon nom est Serejunda. Et voici mon capitaine, Gris Dritus. Comment ça va? Le Mantis, c'est mon vaisseau, mais je te conseille de bien écouter la dame. Alors, qui es-tu? Cal, Kestis. Et cette femme, c'était qui? Une inquisitrice impériale. Une adepte de la Force qui traque les Jedi sans relâche. Et maintenant qu'elle sait qui tu es, elle ne s'arrêtera pas tant que tu seras en vie. Comment vous savez ça? Et pourquoi vous m'aidez? Nous épions toutes leurs communications. On connaissait l'itinéraire des inquisiteurs. Alors nous sommes venus. Ah oui? À combien s'élève la prime pour un Jedi en ce moment? Non, mais t'as entendu ça? Je comprends. Tu as survécu seul pendant si longtemps que tu ne peux plus faire confiance à personne. C'est pour ça que tu es encore en vie.
Mais il y a beaucoup plus en jeu que de survivre. Comme quoi ? Faire renaître l'Ordre Jedi de ses cendres. Vous deux ? Et personne d'autre ? Oh, on n'est pas assez bien pour toi ? Et le Conseil Jedi ? Disparu. Donc vous n'avez que moi. Capitaine, nous allons sur Pogano. D'accord. Et pendant ce temps-là, tâche de te reposer. Tu ne crains rien. Pour l'instant. Tu dois partir pour vivre ta vie. Pour trouver ta destinée. Quelle attention ! T'es au courant que tu causes en dormant ? Cinglé. Cet air, je l'ai composé il y a longtemps. En touchant un objet, tu vois les événements qui lui sont associés. Tu ressens son passé. C'est un écho dans la force lié à cet objet. Peu de Jedi ont cette capacité. Comment vous savez ça ? J'ai été un Jedi. Mais plus maintenant. Est-ce qu'on se connaît ? Non. Mais je connaissais ton maître, Jarro Tapal. C'était un vrai gardien de la République. C'était un vrai héros. Écoutez, il m'est arrivé quelque chose pendant la purge. J'ai survécu, mais ma connexion à la Force a été endommagée. En méditation, si jamais je baisse ma garde, je perds le contrôle. J'ai l'impression de revivre ce moment où... Tu es vivant, Cal. Et tu n'es plus seul. C'est terminé. On approche de notre destination. Un Jedi que je connaissais à la découverte avant la purge. Tu ne la trouveras sur aucune carte. L'Empire ne sait pas que cet endroit existe ? Non. Alors ? Quel est le plan ? Se cacher ici ? On ne se cachera plus, Cal. Tu vois ce bâtiment, là-bas ? Je pense que ce sanctuaire renferme la clé pour recréer l'Ordre Jedi. Mais seul quelqu'un qui maîtrise la Force peut réussir cette épreuve. Et comme vous n'êtes plus Jedi, vous avez besoin de moi. Je sais que tu ne me fais pas confiance. Et moi aussi, j'ai encore des doutes à ton sujet. Mais nous avons un adversaire commun. Et une cause commune. Je t'en dirai plus quand tu auras rejoint le sanctuaire. Mais bon, en attendant, j'aimerais que tu rencontres quelqu'un. Que la Force soit avec toi.
doit être un Jedi que je cherche. Mais s'il y en a déjà un ici, pourquoi Serré a besoin de moi? L'endroit a l'air sûr pour méditer. Il faut seulement que je me concentre. Salut, BD1. Moi, c'est Cal. Ouais, ça va, mais je voudrais trouver quelqu'un. Non, pas toi. Je recherche un Jedi, je crois. Attends, tu le connais? Qu'est-ce que tu sais? Hé, hey, t'en vas pas! T'as piraté ce truc? Merci. Sanctuaire dont Serré m'a parlé. Celui que je recherche doit se trouver ici. Je sens quelque chose ici. C'est un sacré insecte.
Une suggestion ? Il faut que je parvienne à franchir ce gouffre. Une tyrolienne ? Comment t'as su que ça marcherait ? Hein ? Tu savais pas ? Impossible de passer. Je te crois, mais je voudrais aller voir quelque chose de ce côté. Mais c'est quoi cet endroit ? Jedi venait ici pour étudier la sphère en haut. Je sens encore l'enthousiasme. Le truc a l'air de sentir plus mauvais que Grise.
Attention là-bas. Ça a l'air dangereux. C'est pareil qu'à la décharge. Tiens bon, j'arrive. Quelqu'un s'est servi de cette pièce comme entrepôt, pour stocker vivres et matériel. Hé, hey, c'était plutôt courageux. Ça va pas? Attends, je peux peut-être t'aider. Tu veux bien? Oh, d'accord. Voyons. L'interconnecteur m'a l'air HS, mais ça devrait t'aider à te déplacer pour l'instant. Et voilà. Et c'est ça. Le sanctuaire? Ouais, c'est là-bas que j'allais. Ok, alors. On doit d'abord trouver un moyen de sortir d'ici. BD, c'est un peu étroit pour moi. T'en fais pas, je trouverai bien une autre sortie. C'est étroit, mais ça devrait aller. On dirait que ces plantes mènent quelque part. Faut pas qu'elles lâchent. Je vais m'en remettre. Ah ! Hein ? Un steam de soin ? Toi, t'es plein de ressources. Ça, ça fait du bien. Merci, petit droïde. Ok, on va réessayer. Ok. Oh, tout le monde à bord. Bon, d'où tu débarques? Tu te souviens pas? Un droïde peut être amusique. Oui, tu marques un point. Hé, un coffre.
Tu crois que le Jedi nous laisserait nous servir? Alors, qu'est-ce que ça contenait? C'est là qu'on doit aller. Je peux le sentir. Une carte des lieux qu'on a traversés? Je peux pas passer par là. Il faut qu'on trouve un autre accès. Tu vas. Oh, il y avait quelque chose là-dedans. Cet outil a servi à quelqu'un pressé d'aller au sanctuaire.